Eh bien, salut tout le monde, Isclad. Donc, nous sommes pour l'épisode 4 de Resident Evil 6. Et on est en compagnie de Léon qui fait n'importe quoi. Qui va passer en mode badass. Qui arrête pas de crever. Ouh, ça c'est badass. En mode Akimbo. Regarde, ça c'est un truc badass. Ah ouais, tu crois que tu me fais peur comme ça? Allez, on commence l'armurerie, comme on l'a dit. Allez, c'est parti. Akimbo. Allez, mon vieux, ouvrez. Laissez-nous entrer. Laissez-nous entrer. On... Elena, apparemment, se fait tirer. Il nous prend pour qui? Ça ferait qu'à un moment, on avait pas mal de chance, si tu te souviens. Ouais, ouais. On avait eu que des zombies à droite. Ouais, c'est ça. C'était pété ce passage. Je regarde s'ils sont à gauche. Tellement... Non, ils sont encore à droite. Il y avoir un bug. Ou soit les zombies font la grève. Ah non, mais là. Ouh. Écoute, j'ai envie de dire. La gauche est au pouvoir. La gauche est au pouvoir. Bah putain. Ici nous sommes en ce moment même en train d'affronter l'extrême droite. Ces néo-nazis ne nous auront jamais. Putain. En fait c'est nous la droite là. C'est bien ce que je dis. C'est des néo-nazis, hein, des saletés de républicains. Putain, qu'est-ce qu'il y a un zombie. Il y a un zombie qui est venu de la gauche. Ah ouais. Non, ce doit être aléatoire, je pense. Merci la cinématique. Putain, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre. Akimbo. Elle nous ralentit trop. C'est quoi votre problème? Copine, non? C'était ma copine. C'est juste un vulgaire bout de... Oh, comment... comment tu fais pour te mettre en Akimbo, toi? Mais comment... C'est parce que moi j'ai un mode... toi t'as pas de mode, non? Non. Tu vois, en dessous t'as pas de petits carrés? Non, j'ai pas. Ouais, bah moi j'en ai, du coup, ça fait que... En ouvrant l'inventaire, en allant sur l'arme, je peux sélectionner le mode. Ce sera pareil plus tard avec le lance. Donnez le flingue. Ouais, vous avez qu'à les combattre si vous voulez. Moi je me tire d'ici. Bon bah Ricky est mort, hein. Wow. Mec, la cinématique, t'as vu le zombie qui a fait un peu planer juste après la cinématique? Ah non, moi je l'ai pas vu. Le zombie que tu viens de tuer m'a sauté dessus juste après la cinématique, il est passé à côté de moi. Bah putain. Par contre, moi je vais faire un truc là, si tu veux bien. Non. Ah merde. Il y a un taré à la fenêtre. C'est Léo en mode, il y a un taré à la fenêtre. N'empêche, ça aurait été peut-être mieux des cloakers. Pas bref. Peter Pan, non. Mourez voilà. Par le feu. Ouh, joli. Oublie pas qu'on a des soins. T'inquiète, j'ai pas oublié. Laisse un peu les zombies rentrer, je vais leur laisser un petit cadeau. Tu vois ce que je veux dire. Ta bombe, elle m'a tué. Ou arrête. Hein? Ta bombe, elle m'a défoncé ma race.
Désolé. Oh putain. Bon. Merde. Nous allons combiner ça, voilà. Oh merde. Voilà. Putain, pendant que je crée mes médicaments et tout, ça veut rien dire quoi. Veuillez attendre 5 secondes derrière le comptoir sous. Ah, je suis en train de me... Ah putain, merde. Viens m'aider. Oh putain, je... Merci. Je savais que j'aurais dû prendre mes médocs. Ah. Oublie pas, c'est matin, midi et soir. C'est matin, midi et soir. N'oubliez pas, prenez tout le temps vos bonbons pour la toux. Eh non mais là... Je veux dire... Ouais mec, j'ai un zombie qui faisait... J'ai eu un zombie qui faisait pas de bruit. C'était un zombie d'un mec qui était muet. Ouais, et pas grâce à toi. T'aurais pas pu faire ça avant, quoi. C'est la troisième fois que tu le dis. T'es déjà en haut. Non, mais c'est vrai, quoi, ce mec, c'est le roi des cons. Bon travail. La bonne nouvelle... C'est qu'on va venir me chercher en bus d'ici quelques minutes. Si on arrive à monter à bord, on ira à la cathédrale de Tolox. On évacue les gens là-bas, après la radio. Mais coïncidence, on devait y aller aussi. Un vrai merdier dehors. On n'attend pas les retardataires. On dépêche de finir de parler, s'il te plaît, j'ai envie de poser mes bombes. Mais là, il finit de parler. Hein. Je te vais poser ta bombe. Le japonais, ferme les volets. C'est vrai que j'en ai 5 moi. Ouais, garde-en pour le. Tu sais quoi. Ah oui. Je vais totalement zapper en plus. Ah lui, il y a les yeux et rouges. Aussi pour le tour. Il avait les yeux rouges. On a posé une aussi. Ouais. Putain, merde. Il y aurait pas un vert, enfin une plante verte quelque part, parce que là j'ai vraiment plus rien. Il y a une rouge qui l'a pris sur le bureau. Ouais si ça je l'ai pris, mais il m'en faudrait une verte avec. Ah. Désolé. Pas grave. Merci. Fais péter. Il y a les yeux rouges. Vas-y, maintenant. Comment on fait pour faire péter? Tu fais F, tu reprends le truc et tu... Ouais, merci. Oh putain. Aide-moi, je suis juste à côté de toi, mec. Je suis juste à côté, je suis juste là. À tes pieds. Ah. Oh. T'appuies sur F, tu prends le machin et tu fais tout péter. Chier, mais simple. Comme ça? Ouais, voilà. Ah putain! Mec, est-ce qu'il te reste peu de vie? Ouais. Bouge pas, je vais utiliser un spray. Voilà. Toujours mieux, hein. Non. Je veux dire... Ouais. Oh putain. Oh. Putain, j'avais dû...
Oh, j'ai du sang partout. Et toi, le japonais, là, si tu veux bien te dépêcher un peu, ce serait cool. Putain, mais fissez la tête, mon enculé dit, vous servez à rien. Les mecs sont juste là pour faire croire que tu sers à quelque chose, quoi. Enfin, qu'ils servent à quelque chose. Ils sont là pour faire apparaître des Bloodborne. Oh putain. Tu vois mon corps à terre. On peut pas rester ici. Allez dans l'autre pièce. Allez les gars. Ouais. Avant que je prépare ma bombe, pose une bombe là avant que je rentre. Juste avant. Attends. Juste avant, je combine certains trucs. Bon bah je vais la poser alors. Merde. J'ai préparé justement mes soins mais bon. Désolé, j'ai oublié que ça faisait ça. C'est pas grave, c'est fait. Vas-y, recule de l'avant. T'as dit lui qui l'aurait. Catch attack. Lise les jambes. C'est ce que je fais. On va tout faire s'écrouler sur nous. On l'a eu. C'était plus simple que je l'aurais pensé quand même. Ouais, par contre là je vais aussi reprendre mes bombes. Fermé. Alors moi là j'ai des bombes incendiaires perso. Ouais garde les aussi, ça va être fantastique. Ah non, attends, Clad. Je vais passer par la fenêtre. Tu filmes? T'en fais voir. T'es apparu. Attends. Bon bah tant pis. Papy. Oh putain. Ton poids. Oh non mais mon dieu. Le poids de cette chose. Putain, il est mort. Toi, mec. T'as enchaîné ma bombe avec ta grenade. Ah ouais non mais là. Oh. C'est beau quoi. Mais c'est la première fois qu'on va aussi vite à faire ça. Putain, Condia. Elle arrive à viser le truc au moment où j'ai été. C'était moi. Bon, on aurait dit que c'était Lia. Non, c'était moi. Le but. Enfin. Enfin, Jimmy. Je vais pas faire la blague maintenant, d'accord? Je fais après. D'accord. Je sais pas de quoi tu parles, mais ok. Mais si, je l'ai fait la dernière fois. J'ai oublié, mec. Vraiment. Tant pis. Je me souviens plus des fois où on a joué. Je vous couvre. Voilà. Juste avant. Oh, y'a pas tellement d'ennemis que ça. Ah, vous êtes déjà partis sans moi, quoi. Bande de racailles. De toute façon, le jeu il continue pas tant que t'es pas là. Ok. Oh, t'inquiète pas, je m'en suis occupé. Y'a le bonjour. Faites-nous sortir. Je vais pouvoir faire ma blague de merde. Topher, bouge le bus. Quoi? Tu sais, dans les maçons du cœur. Non.
Bah putain. Tu connais pas? Ah non, je regarde pas trop moi. Je peux pas accepter les souhaits que je veux dire. Okay. Je t'expliquerai après. Ok. Bon sang, il était prêt. Mais... Allez vite. J'ai pas eu la smoothie. Chauffeur, si... Ah, Maxime. Quelle aide? Oui. T'as repris le restaurant? Oui. Ça recommence comme à Raccoon City. N'en sais pas plus. Tu gâches la cinématique. Je dois savoir ce qu'il y a dans cette cathédrale. Mes supérieurs veulent que je leur donne plus d'infos. Bon, tu me diras. En particulier, Derek C. Simmons, conseiller à la sécurité nationale. C'est le pire dérapage au monde, réellement. Le mec qui se fait défoncer à cause d'un seul zombie, tu sais, sur la route. Or que justement, il crève un gros tas. Non mais c'est ça quoi, monsieur propre, comment il est pas géré? Merde, je vois Léon alors que de base, je suis Elena. Fils de... Lâche-moi. Non, pour être sûr qu'on passe levé. Bien content d'être passé en mode deux flingues, hein. Heureusement, les chargements sont là pour vous aider entre deux cinématiques et deux séquences de gameplay à mieux vous faire aux commandes. Car maintenant, il peut vous dire que mode d'armes, certaines armes permettent de changer de mode avec eux pendant que vous visez. Avec quoi? Bah, tout simplement, tu vises et t'appuies sur eux, quoi. Tu changes de mode d'arme. C'est le truc que je cherche depuis je sais pas combien de temps. En fait, ça change de main. Ça dépend si c'est droitier ou gaucher, comme ça. Non, non, ça c'est magique cube. Ça c'est cadenas. Accroche-toi à ce que tu peux. Léon qui dit accroche-toi à ce que tu peux. Y'a même pas de siège dans ce bus. T'as vu à qui tu t'es accroché? Oh, moi. Accroche-toi à ce que tu peux. Oh putain, ça veut tellement rien dire. Monsieur propre, monsieur propre. Échapper à l'infection. Ou finir comme ça. Oh mon dieu. Pas le temps de pleurer. T'as raison. Il faut atteindre la cathédrale. Et voilà. C'est ici qu'on va arrêter l'épisode, je crois. Oui, on va arrêter là parce que après ça commence vers l'épisode 2, tu vois, de tout simplement Léon S. Kennedy. Tant pis, je laisserai les chargements où on discute, bien évidemment, hein, à savoir lequel a la plus grande de nous deux. Bien évidemment, c'est moi, mais bon, vaut mieux pas le dire à tout le monde, mais. Oh. Tu es Elena Gomez, donc non, tu n'en as pas une grande.
Ah bon? Tu m'as jamais vu, hein? Qui te dit que je suis que je suis une femme? Mon Dieu! Oh mon Dieu, mais c'est terrible! Qu'est-ce que je viens de me faire? Disa Léon S. Kennedy, avant de comprendre que son trou de balle était bien rempli. Oh putain! Mon Dieu! Bon, bah on va se retrouver très bientôt, les amis, après que j'explique aussi la fameuse blague à mon cher partenaire. Non mais sûrement tout le monde a capté sauf moi quoi mais. Alors c'était quoi la blague? En fait, si tu veux, c'est. Est-ce que tu connais un peu le truc, genre tous ensemble et tout, où t'as une famille démunie et puis ils reconstruisent une maison? C'est pas une le truc avec une blondasse grosse et tout? Non, non, non. Merde. Ça, c'est déco Ikideko. avec Valérie de. Ça, c'est déco Avec avec Valérie Valérie Damido. de. Non, non. Donc là, si tu veux, c'est un truc en Amérique qui. Pareil, hein, s'il y a eu des problèmes, genre le père est mort ou il y a eu une tornade ou quoi, Il y a une tornade de putain. ils vont te reconstruire. Bah, c'est en Amérique, hein. Ils vont te reconstruire une maison, mais juste splendide. Pour l'instant, la famille, elle a des vacances sous les tropiques. Puis quand ils reviennent, Il t'as tous pleure. les béno. Non, non, quand ils reviennent, t'as tous les bénévoles et tous les ouvriers qui ont aidé à la construction de la maison qui sont alignés le long de la rue, tu vois. Ouais. Puis t'as une voiture avec des vitres teintées pour qu'ils voient rien, tu vois. Devant la maison qui est cachée par un bus, nous allons visiter votre nouvelle maison pour que votre nouvelle vie commence. Puis là, le nom, vous connaissez la. Formule magique, hein. Ils font chauffeur, bouge le bus! Puis t'as le bus qui bouge et puis tu vois la belle baraque, tu vois. Ouais, je vois. Là, c'était une blague parce que, ben, tu vois, en pleine apocalypse zombie, dire bouge le bus alors qu'il n'y a pas de maison derrière.